Bonjour à tous et bienvenue en Discover, votre rendez-vous techno par 01TV et on va vous parler de la nouvelle SFR Box 8. Si comme nous vous êtes fan de comédies ou d'émissions avec des candidats qu'on laisse sur une île déserte pendant 30 jours, dès l'écran d'accueil, la SFR Box 8 vous propose une sélection personnalisée en fonction de ce que vous avez l'habitude de regarder. En allumant votre box, vous retrouverez des films et des séries sans avoir à chercher des heures dans le guide des programmes, et ça c'est cool. La SFR Box 8 a un menu qui fonctionne sous forme de volets verticaux et horizontaux et vous permet d'accéder à tous les services qu'on a l'habitude d'avoir. Le replay, la VOD, Netflix, OCS, les radios et vos enregistrements ou programmes favoris. Comme cette émission avec des gens qui veulent faire du feu sur une île déserte pendant 30 jours. Vous pouvez accéder à tout ça très rapidement grâce à votre télécommande. Vous hésitez entre votre film favori et l'émission que vous ratez jamais, comme celle où on doit gagner un totem pour l'immunité. Bon, vous l'avez compris, hein, j'arrête la blague. La fiche de foot qu'il faut absolument pas rater et votre sortie entre potes, bah on a la solution. La SFR Box 8 vous permettra d'enregistrer deux programmes simultanément et les stockera dans le cloud SFR. Eh, hey, c'est super ça, mais après 5 films, j'aurai plus d'espace. Eh ben non, vous pourrez stocker jusqu'à 50 films, mais si vous êtes plutôt série, environ 100 épisodes, donc plus vraiment d'excuses. Pour voir ce que vous avez enregistré, plusieurs possibilités, vous pouvez les visionner sur votre télé, ça, bon bah, vous apprend rien, mais aussi partout ailleurs, avec l'appli SFR TV 8 ou sur votre PC, grâce au portail web SFR. Et c'est pas fini! Vous pourrez en plus commencer à regarder un programme enregistré ou en replay sur votre télé, et reprendre là où vous en étiez avec votre smartphone sur l'appli SFR TV 8. La seule mauvaise nouvelle, c'est que vous risquez de finir vos séries un peu trop vite du coup. Un dernier point et qui n'est pas négligeable, c'est que la SFR Box 8 intègre un micro. Vous pouvez vous balader dans votre appartement et à la voix demander à votre box de s'allumer, d'allumer la télé, de lancer Netflix, d'activer les sous-titres en anglais, bref, c'est hyper pratique. Mais ça, on vous en parlera une prochaine fois.